Salut à tous, c'est The Farmer. Alors, les véhicules là, vous avez vu dans l'épisode numéro 9. Donc là, on est dans l'épisode 10. Donc aujourd'hui, je vais amener les copeaux qu'on a coupés moi tout seul. Et voilà. Alors, donc l'ébène, vous aurez le mot dans la description, le lien bien sûr. Donc je vais vous montrer les différentes bennes qu'il y a. Donc il y a une petite benne comme ça. Moi je les ai tous remplis. Hein. Vous pouvez les voir, elles sont toutes remplies. Donc ce truc là aussi où je suis dessus là. Donc je vais juste essayer de monter là. Donc pour vous montrer un petit peu le truc. Donc ce gros bâtiment là, c'est super cool. Pour ceux qui veulent faire du bois. Allez, quand vous avez un broyeur, vous le mettez juste en dessous là. Vous le mettez juste en dessous. Vous pouvez mettre des bennes à côté. Vous amenez votre bois par là. Vous avez juste à mettre le bois ici. Bah, en ayant mis le broyeur en dessous. Et vous vous positionnez juste là. Et en fait, ça va ouvrir les grilles. Donc ça, je pense que je l'aurais mis dans la description. Si je ne l'ai pas mis, c'est qu'il n'est plus trouvable. Parce que des fois, certains modes ne sont plus trouvables. Donc voilà. Donc, je vais récupérer mon camion. Alors on m'a beaucoup reproché que je ne parlais pas assez dans les vidéos. Bah je vais parler beaucoup plus. Parce que c'est vrai que quand on parle mieux, ça... On a plus d'énergie. Quand on fait les vidéos, on a plus envie de faire des vidéos. Donc, celui-là c'est le camion de la FSM Team, excusez-moi. Donc c'est un pack, vous l'aurez également dans la description. Alors pour ne pas bugger, alors je vous conseille un truc. C'est super simple. Vous voyez la grue au-dessus, vous la levez juste comme ça. Et vous dépliez ça. Donc après, vous pouvez le mettre comme ça. En fait, ça bug tout seul. Voilà. Donc vous l'aurez dans la description. Donc on va aller amener les copeaux. Alors je vais regarder où les copeaux on peut les vendre. C'est le plus offrant où. Copeaux de bois. La chaufferie biomasse de 1500. 2100. Donc il faut aller à la chaufferie biomasse. Alors je vais aller voir où c'est. Ok. Donc je vois où c'est. Bah, je vais aller apporter ça. Je vais passer par l'endroit où il y a le plus de place. Alors pour des raisons de trajet, alors je vais passer par devant. En fait, je vais suivre la route qui est droit devant. Donc il a un petit peu du mal parce qu'il tient quand même 136 tonnes. 136 000 litres. Donc je connais pas exactement... Ah ouais, la consommation de fuel, elle descend très vite. Mais vous inquiétez pas, je vais réussir à
à aller jusqu'à là-bas en ayant tout le fioul. Donc je vais me limiter à 60. Oh là! Ah, ça par contre, c'est ma grue qui a fait tout bugger. Là, elle va plus m'embêter. Bon bah là c'est bon. Je regarde bien qu'il n'y a personne sur les côtés. Vous pouvez voir. J'ai mon limitateur à 60. Oh, c'était juste, hein. Alors, en fait, là, j'ai fait mon petit train routier. Mais un camion comme ça, en général, c'est très dur à arrêter. Il a énormément de force, étant donné qu'il y a plein de poils arrière. Et en général, quand vous avez un camion comme ça en face de vous, vous pouvez pas l'arrêter. C'est. Bah, même le conducteur, s'il freine, il a énormément de mal à l'arrêter. Par exemple, là, j'enlève le réducteur. Bon, là, ça va parce que j'ai. Je suis en montée donc il freine assez vite. Mais quand on est en descente, enfin ou en plat, ça descend super lentement. Donc alors la prise de vitesse aussi elle est très lente. Alors là, je vais juste baisser le régulateur vu qu'on arrive sur un pont. Je vais le mettre à 30. Vous pouvez voir, c'est quand même magnifique cette map. Voilà, donc c'est pas très loin. Bon, j'ai juste fait une mauvaise manip. Il est quand même bien stylé quand même. Il est particulièrement stylé ce camion. Donc vous l'aurez dans la description. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Moi je le trouve juste magnifique. Ouais, c'est bon, on a encore de la marge. Alors les feux. On en a un là. Quand vous appuyez une fois, ça fait un. Vous appuyez une deuxième fois, ça fait le deuxième. Et une troisième fois, ça enlève le deuxième et ça remet le premier. Oui, donc le fuel descend assez vite. Vous pouvez faire de la route, mais heureusement qu'ils ont mis beaucoup de fuel parce que sinon on n'y arriverait jamais. Donc là je vais passer tout droit
Ensuite, je vais tourner à gauche pour arriver directement au biomasse. Je vais vider tout ça. Alors, pour ceux qui se demandent, ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, donc ce sera c'était l'épisode 9. Si je me trompe, alors si je me trompe pas, c'était bien l'épisode 9. Alors, si juste vos écrans ont frisé, c'est normal. C'est bien l'épisode 9. Donc je viens de faire un Windows, donc c'est pour ça que ça a frisé. Donc c'est l'épisode 9, donc vous l'aurez dans la description. Ou vous... Enfin, vous... Non, vous aurez pas le lien directement de la vidéo dans la description. Vous avez tout en bas de la description, normalement, le lien de la playlist. Et ça sera, vous cherchez l'épisode 9. C'est trié par ordre chronologique. Donc là, je m'en rapproche à grands pas. Voilà. Attendez 2 secondes, je regarde juste s'il n'y a pas de train au cas où. Il n'y a pas de train là. Il y a un train, mais... Il n'a pas été activé depuis 1936. Alors ce que j'aime bien avec ce camion, c'est ça. Les trucs restent. Ils ne s'éteignent pas. Allez, on peut y aller. Je regarde juste ça pour éviter que ça se prenne dans un câble, ça serait un peu bête. Je mourrais sur le coup en fait. Or le point de déchargement, il est juste là. Ok, donc ça m'embête. Alors ma technique. Ça risque de faire un petit peu bugger. Donc là en fait je suis bien bu... là je suis bien bloqué. Or ça, si vous avez un vrai camion, ne le faites surtout pas. Bon, je sais pas ce qui bloque. Ok, cool, ça bloque pas. Donc pour ça va. Alors ça c'est bon. Donc vous voyez, ça se décharge. Donc les bennes vous aurez dans la description, ils seront accompagnés de... c'est un mode pack, donc il y aura 2 camions. Il y aura 2 camions dans le mode pack, donc c'est des beaux camions, des mannes. Et il y aura une benne qui est particulièrement bien. C'est là une buse. Donc elle est pas mal.
Donc là, je vais ramener le camion juste en dessous de où on l'avait trouvé. Normalement, voilà, c'est fini. Donc je fais juste un voyage parce que deux voyages, c'est vraiment trop long. C'est bon, c'est passé. Alors, je vérifie juste l'état d'ébène. Ah, celle-là, elle a juste un petit accroc. Bah, elles ont plein d'accros. Bon, je les ferai réparer. Ça ne fait rien. Toujours pas de voiture. Donc là, je peux l'arrêter en quelques secondes le camion vu qu'il est vide. Mais après, si j'ai, je mettrais 4, 5, 6 bennes, comme celle que j'ai mis, là, le camion il serait impossible à arrêter. Faut au moins 300 ou 400 mètres pour l'arrêter. Donc c'est super dur à arrêter. Ah, ça c'était sûr. Ça s'est pris dans l'arbre. Donc je sais pas si ce camion bug juste avec mon avec moi. Je sais qu'il y a pas longtemps il buguait pas comme ça. Alors en fait je vais vous montrer c'est quoi qui bug. C'est déjà les deux trucs sont inversés. Donc ça crée un problème de physique. Et donc ça fait tout bugger. Donc vous pouvez pas passer sous les ponts. Vous pouvez pas faire plein de choses en fait. Voilà, donc je ramène les bennes et on va se quitter juste après avoir ramené les bennes. Ah, ben je sais pas pourquoi il ralentit. Alors, donc on a utilisé. Bon, ça va 20 litres. Pour le chargement qu'il y avait, je pensais qu'il allait avoir plus de manque. Alors juste avant, je vais aller remplir. Donc je vais quand même aller remplir. Là, faut que je me centre bien. Alors, regardez, voilà. Ouh. En fait, j'avais perdu 50 litres. Ah oui. C'est quand même énorme. Je savais pas que j'allais en prendre autant. Je vais la repositionner exactement pareil que lorsque je l'ai pris. Donc je vais passer à droite.
Donc je vous rappelle les modes, donc il y aura ce camion, il y aura l'ébène, il y aura ce gros truc en béton à gauche, donc carrément utile. Et le camion, le pack, et puis voilà. Donc c'est des. Ils sont vraiment très maniables. Je vais remettre ce camion à sa place. Bien sûr, parce que voilà. Si dans la ferme je ne range rien, ça ne va pas le faire. Voilà. Donc je me remets. Oups, j'ai un peu cassé les piliers de la benne. Donc la couleur d'ébène, c'est. Alors je vais vous montrer si vous voulez mettre une benne derrière le camion ou trouver un camion pour la benne qui est derrière. Alors c'est la couleur là. Donc c'est juste celle-là. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est celle-là. Voilà. Bah moi je vous dis à plus et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut à tous. Alors donc je suis de retour sur vos écrans le 23 août 2016 pour l'épisode 11. Moi sur ce, je vous dis passez une excellente journée et bonne semaine.